Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'échelle de valeur en tant que coach. Ce que je vous propose quand vous êtes débutant, quand vous êtes au premier stade, c'est de commencer par une offre individualisée, que vous allez vendre entre 1000 et 5000 euros. Puis, vous aurez une échelle juste avant qui sera plutôt entre du 100 et 500 euros. Vous aurez une offre ici entre 10 et 50 euros et ici 0 euros. Et ici, vous aurez une offre autour de 5000 euros. Environ, et ici à 10 000 euros ou plus. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit pour vous de visualiser un peu le futur. Quand vous êtes débutant, si aujourd'hui vous faites moins de 5 000 euros par mois, votre focus c'est de créer une offre individualisée. Pourquoi? Parce que en faisant l'offre individualisée, vous allez pouvoir maximiser votre temps. Vous avez peu de prospects au début, et du coup, le peu de prospects que vous avez, si vous arrivez à vendre entre 1000 et 5000 euros, vous allez pouvoir passer la barre des 5000 euros assez rapidement. Deux clients à 2500 euros vont vous rapporter 5000 euros. Quatre clients à 1250 euros vont vous rapporter 5000 euros. Le problème, c'est que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on ne se sent pas légitime et qu'on est attiré aussi par beaucoup d'enseignements qui sont pas mauvais en soi mais qui sont pas adaptés, vous allez vous dire, bah attends, moi je vais commencer par vendre du 100 à 500 euros. Et du coup, typiquement, vous dites, je vais vendre de la formation en ligne. Je vais vendre du coaching à l'heure ou des packs de coaching plutôt qu'un accompagnement global. Et le problème, c'est que pour atteindre un objectif de 5000 euros, il va falloir vendre 10 fois plus cette offre-là que l'offre individualisée pour atteindre le même objectif. Ce qui est hyper compliqué quand vous êtes débutant en fait. Donc il y a cette pensée que si je vends moins cher, ce sera plus facile parce que je suis débutant, je ne suis pas légitime, il y a les concurrents, etc., etc. Le problème, c'est que vendre 10 fois plus, ça va faire de vous un marketeur. Vous avez intérêt à être un super marketeur pour pouvoir vendre 10 fois plus de ça que ça. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que, à moins que vous êtes vraiment un excellent marketeur, le problème c'est que votre compétence, moi je pars du postulat que vous êtes un bon coach, hein. Et attention, un bon coach, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un, un coach qui a juste une certification. Vous pouvez être un très bon coach. En étant certifié, comme vous pouvez être un très bon coach sans l'être. Et moi, je connais des coachs pas top qui sont certifiés. Donc, ne vous faites pas avoir par la certification. C'est bien, mais c'est loin d'être indispensable. Donc, le problème, c'est qu'ici, ça va demander de votre part d'être un expert en marketing. Compétence que vous n'avez pas. Parce que si vous l'avez, j'ai envie de dire, allez-y, arrêtez cette vidéo et lancez-vous. Mais si vous ne l'avez pas, il vous faut des compétences de vente parce que vous allez me dire, oui, mais Lingen, vendre 2 fois 2005, c'est pas facile non plus. Ben, en fait, si, c'est facile. C'est beaucoup plus facile que d'être bon en marketing. Pourquoi? Parce que la vente, telle que moi je l'enseigne en tout cas, c'est à peu près égal, on va dire, à du coaching. Donc, si vous êtes bon, un bon coach, vous allez être un bon vendeur. Et si vous êtes un bon vendeur, vous allez atteindre ces 5 000 euros assez rapidement. Alors, je vous ai parlé de ces différentes offres. Pourquoi? Pour vous aider à visualiser le futur. Si vous avez un objectif de 10 000 euros ou un objectif de 50 000 euros, là, les choses vont être différentes. Pourquoi? Parce que quand vous allez viser 10 000 euros ou 50 000 euros, le problème, c'est que l'offre individualisée, elle ne correspond plus, puisque vous n'aurez plus le temps de gérer autant de clients. Donc, il va falloir faire un programme de groupe, notamment.
ou de vendre, par exemple, du mentorat. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans le détail de ce qu'est un programme de groupe et ce qu'est un mentorat, mais ça va être indispensable parce que vous n'aurez pas assez de temps pour faire que ça. Et donc, il va falloir passer à ça et ou à ça. Le truc, c'est que pour avoir des clients qui vont vous payer du mentorat et du groupe, eh ben, il va falloir peut-être avoir des produits d'appel. Des produits qui permettent à vos prospects de mieux vous connaître. Ils rentrent par un e-book gratuit, par exemple, typiquement un PDF ici. Ici, ils achètent un livre. Ici, ils achètent un workshop. Ok, ça commence à devenir brouillon, mais je pense que vous avez compris le truc. Et du coup, ils gagnent de plus en plus confiance en vous. Et du coup, là, ils vont vous acheter. J'ai mis le programme de groupe après le programme individualisé parce qu'il faut plus de confiance. Ok, ça, c'est confiance en vous. Il faut plus de confiance à vos prospects de rejoindre un groupe, un programme de groupe qu'une offre individualisée. Et c'est pour ça que quand vous êtes à moins de 5 000 euros, c'est un danger de faire ça. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous commencez à vendre des workshops à 200 euros, il va vous falloir plein, plein, plein de clients. Et puis si vous vendez un programme de groupe, et ça c'est un gros piège dans lequel tombent beaucoup de gens, parce qu'ils observent ce que d'autres font, des gens plus avancés, comme moi, oui, je vends des programmes de groupe, du coup, bah, je vais faire comme Lingen, je vais faire comme telle personne, c'est compréhensible. Le problème c'est que pour créer un programme de groupe, déjà c'est difficile d'avoir 10 clients à 500 euros. Mais 10 clients à 5 000 euros, c'est même pas la peine. Okay? Alors vous allez me dire, oui, mais il suffit que je fasse le programme de groupe à moins cher, à 500 euros. Le problème, c'est que si vous faites à 500 euros, soyons honnêtes, ça ne va pas être vraiment du coaching. C'est une formation en ligne et c'est très bien, mais du coup, ce n'est pas du coaching. Et vous allez perdre confiance. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas apporter la valeur et la transformation que vous voulez pour vos prospects. Donc ça, c'est un piège dans lequel tombent des gens. Mais du coup, bah non, bah, je vais vendre à 1 000 et puis je vais faire un vrai coaching, un gros truc. Ok, c'est top. Le problème, c'est que ce niveau de confiance-là, quand tu es débutant, tu ne l'as pas. Du coup, il va falloir créer. Il va falloir la créer. Et comment on la crée? On la crée avec la pub, du contenu, des partenariats, etc., etc. Et le problème de tout ça, c'est que tout le temps que vous allez passer à créer ça, vous allez perdre 500 heures, vous allez perdre 6 mois et vous allez perdre en encouragement, vous allez être découragé parce que pendant 6 mois, vous bossez comme un dingue, il n'y a pas de résultat. Vous n'accompagnez pas les gens alors que c'est ça que vous voulez faire. Et puis en plus, il n'y a pas la garantie que vous allez pouvoir apprendre ça. Donc, c'est une très mauvaise manière de démarrer dans l'accompagnement parce que vous allez être découragé, vous n'allez pas avoir confiance en vous en plus de faire un groupe. Vous faites un groupe, mais s'il n'y a que deux personnes, bah, du coup, ça le fait mal, etc., etc. Je vous invite donc forcément à créer une offre individualisée. Si vous êtes coach, hein, si vous n'êtes pas coach, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes passionné par le coaching et que vous êtes un bon coach, c'est vraiment la bonne solution. Ok, je vais essayer de faire une étoile. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous savez, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a un livre qui s'appelle Coach Prosper qui vous permet d'accéder notamment à une session avec Matteo, une session de coaching qui va vous aider à développer votre business et à y voir plus clair. C'est pas une session de vente parce que Matteo n'a rien à vous vendre, même si vous voulez vous le supplier pour qu'il vous achète pour acheter un truc, il pourra pas, il n'a pas de lien, il sait pas comment vous vendre. Par contre, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi suite à l'appel avec Matteo et pour que moi je vous propose ce qu'on fait, c'est possible. Ou vous pouvez travailler directement avec moi en faisant un appel. Tous les liens sont en description et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.